C'est Mariem. On est là aujourd'hui pour une nouvelle coiffure avec Aya. Pour notre coiffure d'aujourd'hui, on fera un chignon carrément en haut. Et puis, on va fixer des mèches qu'on a déjà tressées en torsade avec des épingles. Et puis, pour cette nouvelle coiffure, on aura besoin de la grosse peigne, de la peigne à queue, des mèches raides pour faire les deux cordes, pour faire les torsades. On aura besoin aussi d'un peu de gel et de la laque aussi. On aura besoin du fil noir. On aura besoin aussi des épingles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va peigner les cheveux pour pouvoir attacher le chignon. On les peigne carrément en haut. On va attacher le chignon avec du fil noir. Pour attacher le chignon, on veille à ce que tous les cheveux soient de la même direction. Voilà, de bas en haut, pour les côtés aussi, et pour derrière. On divise le bout en deux. Comme on fera des torsades, on va fixer des torsades, on fera les bouts. On va faire deux torsades pour utiliser en même temps les cheveux de Aya. Là, on va faire une torsade. Voilà, on va faire trois torsades. Une grosse, une moyenne et une plus petite. Voilà, et c'est ça qui va faire le chignon. Maintenant, on va finir la torsade en tresse pour que ça ne s'enlève pas. Voilà, parce que les bouts sont plus effilés que le début. Voici les deux autres torsades, la plus petite, la moyenne et la plus grosse. Maintenant, c'est ce qu'on va utiliser avec des épingles pour fixer le chignon. On va utiliser d'abord les cheveux de Aya pour fixer, pour faire l'arrière. Voilà. On va commencer par la plus grosse des tresses. Maintenant, pour fixer ce chignon, il vous suffit juste de votre imagination. On a commencé à poser la plus grosse des tresses et là on n'arrive pas à distinguer les cheveux de Aya et la corde des mèches. Voilà, parce qu'on a joué un petit peu avec la longueur. En plus, c'est de la même couleur. Voilà. Parce
que le chignon va pendre un petit peu devant pour faire une frange, une petite frange. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour fixer ce chignon, vous laissez cours à votre imagination. Voilà. Et là, on va cacher le bout. Parce qu'au bout, il y a une élastique. On va cacher le bout pour que ça ne se voit pas. On le met en dessous. Voilà, on roule les bouts d'abord et on le met en dessous des tresses. On fixe avec l'épingle. Voilà. Maintenant, on va utiliser la moyenne. Et là aussi, on va commencer par devant. Et on fait passer le reste sur les tresses. Voilà, et les bouts, on fait pareil comme tout à l'heure. On les boucle comme ça pour que ça fasse une boule et on les cache en dessous. Voilà, il nous reste la plus petite des torsades. Et pour ça aussi, on va également commencer devant. On va faire pendre un petit peu pour montrer la frange. Voilà, là, c'est un petit peu en haut. On va la faire descendre un petit peu. Et le reste, on va l'utiliser pour derrière, pour arrondir un petit peu le chignon et harmoniser derrière. Là, on va cacher le bout en haut.
Voilà. Voilà, maintenant on a fini de poser le chignon. On va mettre un petit peu de gel. Voilà, on fait l'autre côté. Et puis derrière. Là, on va mettre un petit peu de lac. D'abord sur le chignon. Pour fixer un petit peu et mettre un petit peu de brillance. Voilà. Là on met un petit peu sur le chignon, sur les cheveux plutôt, et là on met un petit peu sur les cheveux. Voilà, on a fini le chignon de Aya. La coiffure de Aya, ce style qu'on lui a fait aujourd'hui, peut s'utiliser pour des cocktails, pour améliorer un petit peu son look. Des fois, on en a marre de garder une même coiffure pendant des jours. Donc, pour faire un nouveau look, on peut utiliser cette coiffure-là. Parce que c'est pas trop, ça fait pas trop voyant. C'est un style chic et c'est classique, donc ça fait pas charger sur la tête. Donc, pour cette coiffure, j'espère que vous allez l'utiliser pour vos cocktails, vos réunions, au travail. Merci, j'espère que vous avez aimé le nouveau style de Aya. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.